Et salut tout le monde, on se retrouve sur Naruto Slugfest. Là, on va partir directement invoquer. Avant de partir invoquer, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et on va démarrer les invocations. Les invocations, tout d'abord, ils ont changé par rapport à l'ancienne version. Ce n'est plus du tout la même. D'ailleurs, on va aller récupérer ça. Et du coup, cette fois-ci, c'est. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout la même. Et ils ont changé les animations. Elles sont plus belles, mais pas incroyables non plus. Donc là, on parle à Tsunade, comme vous l'avez vu hier durant mon live. Donc là, on fait la single avant d'aller invoquer en multi. En espérant drop un bon en SS. En fait, j'aimerais avoir Shino en SS parce que le perso il est super intéressant. Il immobilise et il frappe en zone. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit fragment de Azuma. Du coup, les persos qu'on a en SS, pas en fragment. Donc, on a Neji, Jugo, Kabuto, Azuma et Shino. En S, on a Shizune. Rock Lee, j'ai oublié, Shio, Yamato, Sugetsu. Après le reste, c'est en normal le recrutement, donc on s'en fout. Du coup, on va faire la petite multi. 3, 2, 1. Donc on va faire ça, ça. Ah, il y a la petite photo de Neji et Shino là. On va baisser un peu le son. Ok, là c'est mieux. On va faire ça. Sa tête, elle me fume à Tsunade. Du coup, on va prendre quoi? Allez, on va prendre ça. Waouh, c'est dommage. Ok. Deux S, ok, c'est pas mal. Oh. Un doublon, ok. On part sur la deuxième multi, en espérant drop un bon perso. 3, 2, 1. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Waouh, c'est incroyable. Waouh! Il y en a qui drop des Neji, des Jugo, et moi je drop des Shio Yamato, sérieusement. C'est dommage. Bon, ça en fait deux nouvelles unités. On va aller les tester. En vrai, ils sont pas cool, ils sont pas cool. On va faire ça. Du coup là je suis à combien? On va voir 184, ok. Du coup, on va aller voir un peu les persos. C'est pas ici. Join Battle. On va faire ça. Et on va faire ça. Et on va les améliorer et on va aller les tester directement. Ok, là on a mis à fond. Du coup, vu que j'ai eu des doublons sur les persos, en vrai. On va faire ça. Elle, je vois, là, ça sera gratuit. Elle, je pense, je vais pouvoir la monter 2 étoiles. Ça sera intéressant.
Ok, c'est pas mal. Et du coup, là, il m'en faut 50. Du coup, on va basculer sur le personnage de Naruto. On va pas trop se plaindre, hein. On va pas trop se plaindre sur ça. Après, c'est dommage. Et on fait ça. Et donc on va aller tester nos nouvelles unités. En vrai, j'aurais préféré drop le truc d'invocation, ça aurait été mieux. Du coup, on va faire une petite mission. Faire une petite mission tranquillement. On récupère ça. On va voir un peu les. On va voir un peu ce qu'ils vont donner. Ce qu'ils vont faire. Le gameplay de Yamato, ça va, il est beau, hein. Avec son bois, son Mokuton. Elle est où, Shio? J'ai envie de tester sa spé. Ok, bon, c'est l'attaque basique, elle a pas changé. Et celle de Yamato? Ah oui, ça rigole pas. Ouais, c'est pas mal. Et le gameplay de Naruto. Ok, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est dommage que je puisse pas, que j'ai pas drop un perso SS. Surtout que le taux de drop est de 22%. Du coup, là, je suis à combien? Ok. J'ai F25, impeccable. Bah, ça sera tout pour cette vidéo. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste pour voir un peu les invocations, pour tester les nouvelles unités et tout. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, peace!